professionnel de Thuise. Et ben voilà, mon petit coup de gueule aujourd'hui sera à propos de l'actualité. J'ai entendu ce matin la raclée de Barack Obama. L'électeur a choisi les républicains. Ça m'étonne. Aux États-Unis, aujourd'hui, on se rend compte que Barack Obama tente progressivement de mettre en œuvre un système de soins de santé qui fait la large part à la solidarité. J'ai du mal à comprendre que les Américains aujourd'hui ne soutiennent pas ce modèle, alors que chez nous, en Belgique, en Wallonie, en Flandre, à Bruxelles, nous disposons d'un système aujourd'hui de sécurité sociale extrêmement solidaire. Imaginez que demain, chacun paye les soins de santé en fonction de ses revenus. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Chacun peut disposer des soins de santé en fonction de ses besoins et non pas en fonction de ses moyens. Je pense que c'est un plus dans notre société, une valeur forte de notre société que nous devons défendre corps et âme. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui ces négociations institutionnelles au niveau fédéral sont tellement difficiles et tellement compliquées, puisque nous voulons préserver coûte que coûte ce modèle qui fait la large part aux personnes et non pas la large part au côté finance de notre société. Alors aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre les Américains, la puissance la plus forte dans le monde, qui ne veut pas s'inscrire, qui refuse de s'inscrire dans ce modèle de solidarité qui fait large part à l'homme, à la femme, à l'humain. Le confessionnal de Thuise.